Après 4 heures de discussion dans cette salle de la préfecture, la commission départementale d'aménagement commercial a tranché. Elle a émis un avis défavorable concernant le projet de Fantipromotion à Luciane. Les 4 personnalités qualifiées représentantes d'associations ont voté pour. Les 7 élus ont voté contre. Il y a des éléments qui sont apparus et qui étaient très pesants sur le devenir de la zone, et notamment au plan économique. Et puis il y a des éléments aussi qui regardent le PADUC et qu'on a été obligé de prendre en compte. On ne peut pas, à l'Assemblée de Corse, décider des grandes orientations en matière de développement et d'aménagement à l'unanimité et puis à Luciane décider d'autres choses. La collectivité de Corse n'est pas la seule opposante à la création sur ce terrain en bord de route de 27 000 m² de surface commerciale. Un projet à 100 millions d'euros censé générer 700 emplois. Un projet pourtant très contesté, comme en atteste ce rassemblement ce matin devant les grilles de la préfecture. Il est évident qu'un vote pareil, sauf bien entendu tous les recours que l'on peut avoir et qui vont nous porter à vitam aeternam, un vote pareil condamne de facto le projet, notamment la demande de permis de construire qui a été déposée, est de fait annulée, c'est tout. Voilà, donc pour nous l'affaire est terminée, mais nous restons vigilants. Sylvain Fanti n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Il confie attendre désormais l'avis de la Commission nationale de l'aménagement commercial. Puisque le projet qu'il porte dépasse les 20 000 m², elle devrait s'auto-saisir fin août et délibérer en fin d'année.